Habituellement, quand tu es repêché au troisième rang, là, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Un arrêt pendant ce temps-là sur un tir de Raphaël Mendonça. On tente de se donner un angle. Permutation. Jusqu'à la France. Le tir de la France et le but. Une passe directement sur le bâton de Félix Lafrance qui avait marqué 3 buts. Il a marqué les 3 buts des Saguenayens. Donc, c'est son 4e but consécutif, lui, en deux parties. Lafrance. Oui, bon, en deux parties. Il est chaud, on va dire. Oui, il est dans une zone chaude. Et là, évidemment, c'était un avantage numérique de 2 hommes, on l'avait dit. Ben, écoute, on se bat tout seul. Là. Je veux dire, on peut pas envisager de gagner des parties comme ça avec en donnant des doubles. Un autre lancé, première pénalité terminée. On joue à 5 contre 4. Et en plus, on va jouer de sens. C'est Dubé qui va envoyer la rondelle devant. Est-ce qu'on va y aller d'une échappée? Le tir! Et non! Très bien. McKinney va tenter de se donner un angle. Ça mène au centre. Ça a été bloqué en défensive. Un revers et le but! Un tir de McKinney. On a récupéré par la suite du revers. Je pense que c'est la France encore, Daniel. Je crois que ça serait son 5e but consécutif. 3 hier et 2 aujourd'hui. Eh oui, tout à fait, Eric. Incroyable! Et là, c'est ce but survient à 6 minutes 13 et ça fait mal, Daniel. Ah, ça fait très mal. Écoute, Éric, il dicte la troisième période depuis le début de la troisième. Je venais justement de dire qu'il me surprenait, là. Et ils le font vraiment, là. Ils n'ont fait qu'ajouter à ce que je venais de mentionner. Alors, voilà, et là, c'est tout placard pendant ce temps. On est seul, complètement seul, et quel arrêt de la jambière! Et on réussit souvent là à garder la rondelle longtemps. Mais là, une menace de tir! Quel arrêt! Un autre tir de Corbeil! 2 tirs consécutifs, 2 arrêts de Louchard! De précision. Et ça également, j'ai l'impression de me répéter un peu. Il y en a eu plusieurs tirs ce soir, également. Et le but! On l'avait retiré, le gardien, Daniel. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'on avait retiré le gardien. Et on y va d'un but dans une cage déserte. Et ça, je pense que ça vient de confirmer là, cette victoire des Saguenayens Chicoutimi. Évidemment, 2 minutes 45, on a déjà vu marquer 3 buts en 2 minutes 45. Mais avec l'allure de ce match et comment ça s'est déroulé ce soir, je serais évidemment, sans vouloir être trop défaitiste, fort surpris de voir le Drakkar revenir dans cette rencontre. Un autre arrêt à la toute fin, un autre tir et le but! Et le but, et c'est un but qui va compter. Il restait 9 dixièmes, un peu moins d'une seconde. Et on rajoute l'injure à l'insulte ou l'insulte à l'injure. Appelez ça comme vous voulez. Mais peu importe, un but, là, dommage pour Olivier Adam qui n'avait pas connu un mauvais match, mais là, qui va voir sa moyenne grimper là, avec ce but en toute fin.